Nzovu. Le Royaume-Uni s'engage résolument à soutenir les efforts de paix entrepris dans le cadre du processus de Luanda afin de ramener la paix dans l'est de la RDC. Au cours de l'entretien avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Lord Collins, ministre d'État britannique pour l'Afrique et les droits humains, a réitéré la volonté de son pays, Royaume-Uni, à faire respecter l'intégrité des frontières de la République démocratique du Congo. Reconnaître le progrès avec le cessez-le-feu entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Il était en Angola directement avant cette visite avec le président Lowassa. Et nous sommes du côté du Royaume-Uni vraiment engagés à soutenir les processus de paix entre les deux pays. Je sais que ce n'est pas facile et nous sommes engagés vraiment à soutenir et à qui du renforcement des relations bilatérales entre Kinshasa et Londres était également entre les deux pays dans plusieurs domaines stratégiques. Thérèse Kayikwamba est ministre des Affaires étrangères. Beaucoup de secteurs ont été évoqués dans les échanges entre Son Excellence Monsieur le Président de la République et son visiteur venu du Royaume-Uni, le ministre des Affaires étrangères pour l'Afrique. Ils ont parlé d'investissements déjà en cours et d'accords signés dans le domaine de la sécurisation des aéroports, mais aussi d'investissements dans les domaines stratégiques comme les ressources naturelles, avec un accent particulier sur la transformation des produits premiers avant leur exportation. Les deux étaient très intéressés et d'accord surtout sur l'importance du capital humain de la République démocratique du Congo, notre plus grande richesse, et sur le besoin d'investir de manière continue dans la capacitation de ce capital humain afin que la prospérité, le développement durable puissent voir le jour en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, deuxième étape de sa tournée africaine après l'Angola. Il s'agit d'une première visite en Afrique pour le ministre d'État britannique en charge de l'Afrique et des droits humains. La même délégation britannique s'est rendue à la primature où elle a annoncé à la chef du gouvernement la signature d'un partenariat axé sur la croissance économique et le renforcement des échanges commerciaux. La Grande-Bretagne s'engage également à soutenir la transformation au niveau local des produits issus de l'industrie extractive pour créer davantage d'emplois en RDC. Jeyma Mogo nous en parle. Le nouveau gouvernement britannique, qui a marqué son opposition sans attendre au financement de l'accord d'expulsion des migrants illégaux vers le Rwanda, vient de proposer un nouveau partenariat diplomatique et économique à la République démocratique du Congo et la Grande-Bretagne. Ce lundi 19 août, à la primature, la première ministre Judith Suminwa-Tuluka a discuté des contours de cette collaboration au cours de l'audience accordée Lord Ray Collins, ministre britannique des Affaires étrangères pour l'Afrique et sa délégation. Well, it was a very good discussion. Her Excellency was very welcoming, but he also introduced me to important members of her government and what we were able to focus on. Le partenariat est basé sur la croissance économique que le nouveau gouvernement du Royaume-Uni est engagé à fournir ces différents services dans le contexte de la crise économique. Et ça ne proviendra que du commerce. Et cette croissance-là est basée sur les échanges pour développer la situation ou le paysage économique en RDC. La Grande-Bretagne veut également accompagner la RDC dans la transformation de ses produits issus de l'industrie extractive pour favoriser la création d'emplois, ce qui rencontre le programme du gouvernement à son premier pilier. Je crois que cet accompagnement n'est pas seulement dans l'industrie extractive. On veut se rassurer que ce qui a été extrait est transformé parce que nous voulons qu'il y ait plus d'emplois en République démocratique du Congo. Vous savez qu'il y a beaucoup de potentiel ici en termes de la jeunesse.
Donc, c'est un aspect très important. Julien Paluku, ministre du Commerce, et Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre des Affaires étrangères, ont participé à cette discussion. Le nouveau partenariat entre la RDC et la Grande-Bretagne sera matérialisé de façon formelle dans un avenir bien proche. Coopération RDC-Japon, la ministre déléguée Pestine Kazadi s'est entretenue hier avec l'ambassadeur du Japon RDC. Les préparatifs de TICAD et l'état de coopération entre les deux États ont été évoqués. Les détails avec Jean-Pierre Nolot. Les deux parties ont fait le tour d'horizon de la coopération RDC-Japon. Elles ont également examiné les dossiers saillants de la coopération, notamment de la participation de la RDC à la réunion ministérielle préparatoire de la TICAD 2025, prévue à partir du 23 août à Tokyo, au Japon. C'est une première réunion de séance de travail avec Madame la ministre de coopération. Présence de Mme Kelly, le chef de team Task Force du Japon. On a fait un bilan de coopération, à quel point on a, et puis on a discuté de plusieurs projets stratégiques de coopération pour le futur. C'est une réunion très régulière, donc on s'est mis d'accord qu'on sera de retour sur le sujet très prochainement. Madame la ministre déléguée est la chef de la délégation congolaise à ses assises. Madame Pestine Kazadi et son hôte ont également abordé des dossiers importants dans le secteur des transports et de l'énergie. Des résolutions sont sorties de cette rencontre. Il a été décidé le renforcement de la coopération RDC-Japon avec un meilleur cadrage des interventions alignées aux priorités de la RDC. Suivant le plan stratégique de développement, l'accompagnement des opérateurs économiques congolais et japonais aux fins de l'augmentation du volume des investissements japonais en RDC, pour ne citer que celle-là. La province de Guangxi, en République populaire de Chine, entend collaborer avec la RDC en matière d'immigration. C'est dans ce sens qu'une délégation chinoise a échangé avec la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshiela Kamba. L'audience a été suivie pour nous par Tete Bumunja. La coopération sino-congolaise en matière d'immigration a été passée en revue par la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Eugénie Tshiela Kamba, et le vice-gouverneur province de Guangxi, à la tête d'une forte délégation venue fraîchement de la Chine. En séjour dans la capitale congolaise, l'hôte du numéro 2 de la territoriale de la République démocratique du Congo s'entendra forcément du partenariat avec son entité, dont le nombre d'habitants est estimé à 100 millions. Nous avons beaucoup de sociétés chinoises et chinois qui travaillent ici dans votre pays. Nous voulons renforcer la collaboration entre les deux pays afin de protéger la sécurité des sociétés chinoises et aussi les Chinois. Nous allons aussi éduquer les sociétés chinoises et aussi les Chinois venir ici à votre pays et travailler en autre légalement et servir à toutes les sociétés chinoises et les Chinois et aussi les Congolais. Il est très impressionné par le speech de la vice-ministre. Nous avons atteint l'objectif de notre visite cette fois à la réunion du vice-ministre. De son côté, la vice-ministre Eugénie Tshiela Kamba a réitéré à la délégation chinoise la fermeture du président de la République matérialisée par le gouvernement suminois par un partenariat gagnant. L'utilisation des recettes du secteur judiciaire, le ministre d'État de la Justice, Constant Mutamba, vient de lancer l'opération. Cette deux secteurs nous fait savoir, Cédric Kenina dans ce reportage. Rien qu'à travers cette coupure du réseau symbolique, les réseaux mafieux se sont installés jusqu'à dans leur dernier retranchement. À dater de ce jour, le droit, taxes et redevances dus au secteur de la justice seront payés à la banque. Et l'inauguration de ces sites Robank par le ministre d'État, ministre de la Justice Constant Mutamba, est un signal fort. Le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, nous a instruit
de pouvoir réformer. C'est à cet effet que nous avons pensé la bancarisation de tous les droits, taxes et redevances qui sont perçus à l'initiative du ministre de la Justice. Tout le monde pouvait percevoir ces taxes, ces droits et redevances. Nous dénonçons avec la dernière énergie cette manière d'opérer. Le garde des Sceaux met en garde ceux qui rameront à contre-courant de cette réforme. Désormais, à partir d'aujourd'hui, tout celui qui va tenter d'ouvrir un compte parallèle en dehors du compte du trésor public sera arrêté. Tout celui qui va percevoir les cautions judiciaires et bien d'autres droits, tout celui qui va s'amuser à percevoir ses frais entre ses mains sera immédiatement mis à la disposition de la justice. Il s'agit ici de la prise en charge par les circuits bancaires de plus ou moins 240 actes générateurs de recettes concernés dans les secteurs de la justice, et ce, dans l'optique d'éviter les coulages des recettes et mettre fin à la criminalité financière. Autre chose, le gouvernement de la République aspire à une rentrée scolaire 2024-2025 sereine. Aucun frais de fonctionnement ni l'acompte pour cette année. La décision émane de la ministre de l'Éducation nationale et le directeur de la province éducationnelle Kinshasa, Lukunga, à son tour, fait une mise au point à tous les chefs d'établissement scolaire de mettre en pratique toutes ces mesures. On fait le point avec Anastasie Doumbou. À l'approche de la rentrée scolaire 2024-2025 fixée au 2 septembre, le préparatif Les Assises des Bibois entre les gouvernements et les banques syndicales vont bon train. À cet effet, des instructions sont données par la ministre des Tutelles avec des nouvelles directives concernant les pratiques financières dans les établissements scolaires telles que l'interdiction de percevoir l'acompte sur les frais scolaires avant la rentrée scolaire, une pratique souvent décriée par les parents. Le calendrier scolaire avait déjà été publié. Il a eu l'avantage avec clarté pour revenir sur le premier élément, le respect des instructions. On ne peut pas monnayer une inscription, ce n'est pas normal. Il a également insisté sur le fait qu'au début de l'année comme ça, on ne peut pas empêcher aux enfants d'accéder à la salle de classe sous prétexte qu'on les a chassés. Quand il y aura des descentes sur le terrain, celui qui se retrouvera pris la main dans le sac tirera les conséquences de son insubordination vis-à-vis des instructions. Les parents sont libres de se procurer les fournitures scolaires. Aucun frais de confirmation ne doit être exigé des anciens élèves. Le paiement des frais scolaires en monnaie congolaise à travers les écoles publiques et privées. Accompagné de l'IPP et du coordonnateur national des écoles conventionnées catholiques, les prophètes de la province éducationnelle Kinshasa Lukunga Yoy Bokete et Jean-Pierre a rappelé à ses collaborateurs les règles essentielles pour garantir une rentrée scolaire équitable et transparente. C'était au cours de cette réunion de sensibilisation organisée à l'attention des chefs d'établissement scolaire de sa juridiction au niveau maternel, primaire et secondaire pour une rentrée scolaire apaisée. Pour les prophètes, c'est le gouverneur fixe les frais scolaires. Le respect du calendrier scolaire constitue la boussole de l'enseignement en République démocratique du Congo, a-t-il renchéri. En dehors de la ville de Kinshasa, Trans Academia entend étendre ses activités dans 4 provinces d'ici la rentrée académique prochaine. Des bus se seront déployés notamment au Nord Kivu. C'est dans ce cadre que le directeur général Georges Ongele a rencontré les parties prenantes à Goma. Les précisions de Ricky Nduzuluya. La rencontre était plus que déterminante entre le directeur général des Transacadémia et les différents chefs d'établissements d'enseignement supérieur et universitaire du Nord Kivu. Georges Ongelo Danga et son équipe ont évoqué les préalables devant concourir à la mise en place du projet Transacadémia dans cette province, dont la constitution de la base des données établissement par établissement, les attentes, surtout qu'une mission d'experts est attendue au chef-lieu du Nord Kivu. Les équivoques ont été levés et aux participants d'en faire le point. Peu avant cette rencontre, le directeur général des Transacadémia avait échangé avec un échantillon
représentatif des étudiants du Nord Kivu sur, entre autres, l'appropriation du projet Transacadémia, la question d'abonnement et du paiement dématérialisé, voire la sécurisation des bus une fois acquis. L'enthousiasme exprimé et la reconnaissance envers le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dite. Non seulement nous allons bénéficier d'un transport, mais aussi, ça sera un transport de sécurité, mais aussi avec une rapidité. Il y aura accès dans presque chaque université et cela, c'est une bonne initiative, cela va nous aider. Ça arrive au bon moment, je voulais dire, parce que ça résout un grand problème qui s'observe au niveau des universités. Et c'est là, non seulement pour notre université, mais nous sommes en train de voir toute la province. La cartographie opérationnelle dès la rentrée académique prochaine aligne le Congo central, le Lualaba, le Haut-Katanga et le Nord Kivu pour l'acquisition des bus Transacadémia. Les membres du comité provincial de coordination pour la lutte contre l'impox étaient en réunion avec le ministre provincial de la Santé. Ensemble, ils ont réfléchi sur les mécanismes de la prévention et la riposte de cette épidémie. Tété Bounja pour le détail. C'est en la salle de réunion du programme élargi de vaccination que le ministre provincial de la Santé a présidé une importante réunion avec les comités provinciaux de coordination pour la lutte contre le Mpox. Avec un cumul de 20 cas confirmés et 15 cas suspects répartis dans 6 zones de santé dans la ville de Kinshasa, le Mpox constitue un danger permanent pour la santé des Kinoises et Kinois. Dr Patricia Gongwa Bakazi, ministre provincial de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale, invite les partenaires et les acteurs de la santé à se mobiliser dans la prévention et la riposte contre cette maladie qui a changé des modes de contamination. Vous savez, par rapport à cette épidémie ici, il a la multiplicité des contaminations. C'est pourquoi je vais dire à la population kinoise, là je préférais le dire même à Lingala, ce que moni nyama akufi ko simba été, ce que moni moninga azana ba bouton na zo tota ba ndiko ba ke mutu na zo ka mutu pas ces aussi la té na zo ka ba douleur na ba articulation ko pousse na pembeni na été. Au regard de l'ampleur et la dangerosité de cette épidémie, docteur Patricia Gongo Abakazi s'est rendu à la régie de voies fluviales et au port Sibé pour sensibiliser des agents commis à l'hygiène aux frontières. Il les a invités à la vigilance. À ces jours, le Grand Équateur enregistre les taux les plus élevés des cumuls de cette épidémie de Mpox. L'observance des mesures préventives doit être de rigueur, à savoir le port de masques, lavage de mains et d'autres mesures de prévention et d'hygiène. Dans la province de l'Équateur, deux magistrats ont été récemment affectés par le Conseil supérieur de la magistrature. Ces derniers viennent de renouveler leur serment statuaire au cours d'une audience solennelle tenue de la salle du parquet général. Il s'agit de l'avocat général Messenia Valentin, affecté au parquet général, et du conseiller Makoso Ndongala Roger, affecté à la cour d'appel. Ces derniers ont renouvelé leur serment statutaire devant le procureur général près la cour d'appel de l'Équateur, Jean Kabongo Kamai, et autres autorités judiciaires, politico-administratives, policières et militaires. Il est important de signaler que ce renouvellement de serment statutaire s'est conforme à l'article 13 de la loi numéro 06/020 du 10 octobre 2006, portant statut de magistrat tel que modifié et complété par la loi organique numéro 15/014 du 1er août 2015 qui oblige à tout magistrat nommé ou désigné à de nouvelles fonctions de renouveler le serment prévu à l'article 5 de la même loi devant la juridiction à laquelle il est attaché avant d'entrer en fonction. Tête à tête entre le gouverneur du Haut-Uele et le directeur provincial de la RTNC, les deux hommes s'engagent à faire de la station provinciale un média moderne et compétitif. Leurs échanges ont eu lieu en présence de la délégation syndicale. Jérôme Bungenda pour le reportage. Au cours de cette rencontre de près d'une heure, des dossiers cruciaux pour la bonne marche de l'RTNC Haut-Uele, qui ont connu les mêmes sorts, ont été débattus entre le gouverneur de la province du Haut-Uele, Jean Bakometo Gambou, et Damase Soleke Solekaya. Le premier, celui ayant trait au bâtiment inachevé dont les travaux ont été lancés par son prédécesseur. Question d'explorer les possibilités de le relancer.
Le second, celui lié à la redevance audiovisuelle. Comme le premier, celui-là également n'a pas connu son aboutissement malgré les efforts consentis par la partie RTNC. Fait que le gouverneur de province a promis de s'impliquer personnellement pour en donner suite à la hauteur des attentes. Au terme de cette audience, Damas et Soleke Solekaya a jugé de constructifs ces échanges qui augurent un lendemain meilleur. Nous sortons de cet échange très flatté, très espérant, très optimiste pour la suite de notre travail. Nous l'avons vu très intéressé à tout ce que lui avons dit. Nous l'avons vu même très engagé. Il est intéressé, déterminé. Engagé même à permettre à la RTNC de l'accompagner normalement. On est allé jusqu'à réfléchir comment amener la RTNC jusque même au niveau des territoires. Je remercie donc le gouverneur au nom de Madame le directeur général, qui l'a salué, qui l'a complimenté, mais également au nom de l'ensemble du personnel de la RTNC. Bref, de sa détermination affichée de poursuivre l'œuvre de son prédécesseur, gouverneur Jean Bakomito Gambou promet une visite du site avant d'envisager la poursuite des travaux. Grâce à Bilolo, gouverneur du Congo central, préoccupé par la situation des embouteillages dans la ville de Matadi et sous le trafic routier de la route nationale numéro 1, le vice-gouverneur Prosper Ntela a procédé à son nom au lancement des activités d'exploitation du port sec Gécotrans au quartier Mpozo. Plus de détails dans ce reportage. C'est en qualité de représentant personnel du gouverneur de province Kras Kwanga Maswangi Bilolo en mission que le vice-gouverneur Prosper Ntela Ntambidila a pris part à cette cérémonie consacrée au lancement des activités d'exploitation du parc à conteneurs Gécotrans au quartier Mpozo. Situé à l'entrée comme à la sortie de Matadi, ce nouveau parc à conteneurs est une initiative privée qui va non seulement contribuer à la réduction des embouteillages dans la ville, mais également à apporter la solution au problème récurrent de l'engorgement du port de Matadi. Dans son allocution, l'administrateur gérant Dieudonné Kasembo a révélé que c'est depuis 2016 que la société Gécotrans avait décidé de s'investir dans la construction de ces parcs à conteneurs qui s'étend sur une superficie de 3 hectares. Grâce au montage financier que nous avions fait, nous avions pu mobiliser 8 millions de dollars pour réaliser ces projets. Nous pouvons stocker dans cet espace 2500 TI dans des conditions les plus sécurisées. Juste après, l'AG Dieudonné Kasembo a remis au vice-gouverneur Prosper Ntela Ntambidila les clés de 5 motos destinées à la police de circulation routière et à la mairie, mais aussi 2 appareils de communication talkie-walkie. S'en est suivi la visite des installations du port sec qui dispose d'un entrepôt de 1000 mètres carrés, 2 autres de 2000 mètres carrés en construction, mais aussi 2 grands bâtiments abritant le service requis pour le dédouanement. Autre temps fort de la cérémonie, c'est le lancement des activités d'exploitation du port sec à travers une opération de déchargement de conteneurs. Il a participé au marathon populaire Wandani juste après son retour de Likasi. Jacques Kiaboula Katwe, gouverneur du Haut-Katanga, était présent au concert du chanteur gospel Dona Mwanza qui célébrait ses 15 ans de carrière. Images et commentaires. À l'occasion de ses 15 ans de carrière comme chanteur de l'Éternel et la sortie officielle de son 6e album intitulé Ma Couronne, le pasteur Dona Mwanza était en concert ce dimanche 18 août 2024 au complexe QLE. En chrétien affermi, le gouverneur de province Jacques Kiaboula Katwe, qui a toujours été proche des artistes pour impulser la culture dans le Haut-Katanga, a assisté à cette méga célébration qui a réuni un grand monde. Et Jacques Kiaboula Katwe a, dans son mot des circonstances, encouragé le chanteur de l'Éternel Dona Mwanza pour ses tubes à succès qui bénissent le peuple des dieux. Une occasion aussi pour le gouverneur de rendre grâce à son Dieu qu'il a tiré du néant jusqu'à les placer à la table des rois. En tant que gouverneur, nous célébrons Mungu wetu. Nous sommes venus rendre grâce à Dieu qui a fait de nous les grandes personnalités de ce pays. Il nous a tirés de la poussière pour faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Je voudrais que nous puissions le célébrer ce soir. Très touché par l'accompagnement du gouverneur et surtout de sa présence à cette célébration, le pasteur Dona Mwanza l'a de vive voix remercié. Ce que vous venez de faire
Vous ne savez pas combien est-ce que vous avez marqué les cœurs, ce n'est pas seulement mon cœur à moi, mais les cœurs de presque tous les chrétiens musiciens du Katanga. Merci. Ce n'est pas la première fois que Jacques Kiaboula Katwe assiste personnellement à un concert gospel, une façon pour le gouverneur du Haut-Katanga de reconnaître que tout pouvoir vient de Dieu. Et nous allons nous rendre au centre d'études pour l'action sociale où s'est tenue hier la cérémonie de lancement du processus de révision et d'élaboration de la nouvelle stratégie de conservation communautaire dans les aires protégées RDC. L'activité a été présidée par le directeur général de l'Institut congolais de conservation de la nature, Patricia Ungu, et a été pour le compte de la RTNC. Dès nos jours, la gestion durable de ressources naturelles n'implique pas la participation de populations locales à cause de l'exclusivité des stratégies d'intervention qui passent au détriment des stratégies inclusives de conservation communautaire ou concertées bénéfiques à tous. Face à cette pratique non participative, le DG de l'UCCN envisage la révision de la stratégie nationale de conservation communautaire de la République démocratique du Congo. La nouvelle vision adoptée par l'ICCN dans la conservation des ressources naturelles et la gestion des aires protégées tend d'assurer cette conservation et cette gestion en coopération avec les communautés locales et d'autres partenaires pour le bien-être socio-économique de populations congolaises. Pour les partenaires techniques et financiers, il faut privilégier la promotion de la gestion participative durable de ressources naturelles, sans oublier les différentes résolutions spécifiques qui s'inscrivent dans la démarche d'assurer une meilleure implication des communautés dans la conservation de ressources naturelles pour le développement et l'amélioration des conditions de vie des communautés. On a lancé l'atelier et en second lieu, les équipes seront déployées sur terrain pour consulter les communautés, insérer leurs besoins dans la stratégie pour qu'ils soient pris en compte dans la nouvelle stratégie qui est en révision. Pour accomplir cette mission, les différents partenaires attendent concilier les objectifs de la conservation de la biodiversité des aires protégées et ceux du développement du communauté locale à travers une approche participative. La revue de presse à présent avec Jean-Pierre Ndolo Demazou. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à cette revue de presse. Aggravation des cas de Mpox au Sud Kivu, plus de 900 cas déjà identifiés à Nyangizi, rapporte Vraie Thématique. Le docteur Olivier Kabarati, médecin chef de zone de santé de Nyangizi au Sud Kivu, appelle à la sensibilisation massive de la population pour faire face à cette épidémie. Les cas des personnes qui souffrent de la variole de singe ne font qu'augmenter au jour le jour dans la province du Sud Kivu, devenant ainsi le foyer du virus Mpox. Ituri, un député provincial alerte sur la présence des soldats soudanais à Aru, note info27.cd. Le député provincial Antoine Mopépé a sonné l'alerte dimanche 18 août 2024 sur la présence des troupes sud-soudanaises sur le sol congolais via le territoire d'Aru. Aussi a-t-il lancé un appel au gouvernement central pour le renforcement des dispositions sécuritaires à la frontière avec le Soudan du Sud. Antoine Mopépé révèle que des militaires de l'armée régulière du Sud-Soudan, estimés à environ 150 hommes, se sont introduits au centre commercial Kamerou 2, dont la chefferie de Kaleko Omi, dans le territoire d'Aru. La SADC appelle la RDC et le Rwanda à cesser toutes les hostilités, selon la référence plus. Le 44e sommet de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, qui s'est tenu samedi 17 août à Harare, au Zimbabwe, a appelé la République démocratique du Congo et le Rwanda à cesser toutes les hostilités, selon le communiqué final. Soutenu par tous les dirigeants régionaux, le texte a réitéré le soutien indéfectible de la SADC à la RDC agressée par le Rwanda dans la promotion et la consolidation de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans l'est du pays.
Un nouveau rapport sur la guerre à l'Est, à leur tour, Ebouteli-Jek, Index Nanga et consorts constatent le maximum à quelques jours de la reprise du laborieux processus de paix de Luanda, piloté par l'Angola. Le rapport Ebouteli jette un pavé dans la mare en indiquant noir sur blanc l'origine externe à la RDC des conflagrations qui déstabilisent l'Est de ce pays depuis novembre 2021. En croit ce rapport, le 1-23 ainsi remis sur orbite a conquis des ponts entiers de la province du Nord Kivu. L'alliance fleuve Congo de l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, qui a fait allégeance au 1-23, est mis dans le même sac. Coordonné par Jacques Kabawa Seduga, fin de ce journal réalisé par Louison Moulangueuil, Joséphine Liondo, merci de nous avoir suivis. Camille Kilimba, à nos moutilités aussi des vôtres, je vous souhaite de passer un bel après-midi chez vous. Au revoir.